Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, il est l'heure de faire le test de ma cutting 90. Alors, j'ai déjà fait pas mal de tests dessus, hein. Je vous les mettrai sur le bouton i juste ici. Comme ça, vous pourrez suivre la progression de celle-ci. Vous savez que la semaine prochaine, il y a le petit portail de cutting. Et je trouve que ce test tombe à point nommé sur la chaîne. Donc j'ai eu l'épée récemment de Jade qui a quand même pas mal augmenté ses dégâts, qui a changé son build aussi. Donc moi je la build à moitié électro, à moitié physique, donc un peu hybride. Je vais vous présenter son stuff dans cette vidéo, combien elle tape et tout ce qui en suit. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout. Comme d'hab, je compte sur vous pour le soutien les frérots, le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et l'abonnement si ça n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi les lives sur Twitch tous les soirs 19h30 dans la description. Et on est parti. Donc voilà pour le détail de ma cutting. Comme vous le voyez, elle n'a pas moins de 2386 d'attaque. C'est correct pour le coup. On va avoir aussi 23 000 PV. Et ça, c'est très important parce que l'arme donne un bonus d'attaque en fonction de ses PV. Donc au niveau des attributs, on va être quand même sur du 73,2% de taux de critique. A savoir que son ultimate augmente de 15% le taux de crit pendant 8 secondes. Donc on arrive théoriquement à 98,2% de taux de critique. C'est un peu trop, mais pour le coup, c'est juste qu'en Alucci. Donc pour une valeur de taux de critique, c'est très haut. Mais comme vous le voyez, le dégât critique n'est pas en reste avec 205%. Je trouve que c'est des stats assez équilibrées et plutôt cool à ce niveau-là. On va avoir également 110% de recharge d'énergie ainsi que 61,6% de bonus de dégâts électro. Donc je vais vous montrer son stuff en détail. On va commencer par l'arme. Ici on a donc le coupeur de jade primordial, la nouvelle arme 5 étoiles. Donc elle donne une attaque de base de 542 et un taux de critique de 44,1%. Avant j'utilisais lors de mes tests, l'épée noire. Donc l'épée noire, ça va être celle du battle pass qui est excellente. Elle augmente l'attaque de base de 510 points et elle a un taux de critique à 27,6%. Ce qui est très fort sur son passif, c'est qu'elle heal à hauteur de 60% de l'attaque en PV. Et en plus de ça, elle va augmenter les dégâts infligés par les attaques normales et chargées de 20%. Là où l'épée de Jade va plutôt avoir un taux de critique à 44,1%, ce qui est extrêmement haut pour le coup, ça offre vraiment un confort au niveau du build de cutting. On peut vraiment aller chercher un maximum de dégâts critiques et d'attaque pourcent. Parce que comme vous le savez, je la joue hybride, donc l'attaque pourcent est aussi très importante. On va avoir 542 d'attaque de base. Ça, pour le coup, c'est pas incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au niveau de l'attaque de base, normalement, sur une arme 5 étoiles, la plupart du temps, on est plutôt sur du 600 d'attaque de base, voire du 670 pour les meilleures armes. Et ici, on va avoir un différentiel de seulement 32 d'attaque de base entre une épée 4 étoiles du Battle Pass et une épée 5 étoiles. Donc je trouve que c'est pas assez, mais elle reste très correcte et très bien pour le coup avec son passif. Donc les PV sont augmentés de 20%. Et le personnage équipé de l'arme obtient également un bonus d'attaque équivalent à 1,2% de ses PV max. Donc là, comme vous le voyez, l'arme est un peu particulière dans le sens où on peut la build un peu PV au niveau des substats pour gagner en attaque. Mais ça fait un build un peu exotique et je vais vous montrer d'ailleurs les artefacts à ce niveau-là. On va avoir pas moins de 2 artefacts gladiateurs ainsi que 2 artefacts panneaux électro. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le bonus colère du tonnerre va donner lorsqu'on a deux pièces 15% de dégâts électro et le gladiateur 18% d'attaque. Donc c'est très bien pour mon build hybride. Donc quand je dis hybride, c'est quoi? C'est que je vais taper autant électro que physique. Je vais taper un peu des deux. Après, le stuff physique est excellent aussi et le stuff électro aussi. C'est juste le style de jeu auquel j'inspire le plus, donc celui que je préfère et celui avec lequel j'ai le plus de plaisir à jouer. Donc au niveau du diadème de l'invocateur du tonnerre qui est donc la coiffe, on va avoir des dégâts critiques à hauteur de 62%, donc ça c'est très bon. Derrière on va avoir 19% de défense, ça clairement c'est OZEF, c'est dommage que ça ait monté ça. L'attaque à hauteur de 9,3%, le taux de crit à 3,5% et les PV à hauteur de 9,9%. Comme vous le voyez, cette coiffe n'est pas du tout incroyable. C'est le mieux que j'ai eu pour le moment. Et pour le coup, alors elle n'est pas si mauvaise que ça dans le sens où on va avoir quand même 10% d'attaque, 3% de taux de crit. Et les 10% de PV, comme vous l'avez vu avec l'épée de juste avant, peuvent servir dans ce cas-là. Donc c'est une coiffe qui est correcte, on va dire, à ce niveau-là. Au niveau de la coupe, par contre, celle-là va être quand même pas mal forte. On va avoir 538 de PV, comme j'ai dit, pour le boost sur l'épée. 22,5% de dégâts critiques, 27% d'attaque et 5,8% d'attaque. 46% de bonus de dégâts électro.
Ce qui est assez propre pour le coup. Vous savez que c'est très dur d'avoir des coupes avec le bon élément et en plus de ça les bonnes substats. Donc 22% de dégâts critiques, c'est vraiment très bon. L'attaque à hauteur de 6% pareil. Et les PV pourquoi pas, comme on a le bonus de l'épée. Au niveau du sablier, alors il va pas être ouf du tout. Hein. Taux de critique à hauteur de 7,4%, dégâts critiques à hauteur de 13,2%, 35 d'attaque et 46 de dé. Malheureusement à ce niveau-là, je n'ai pas eu mieux. Pour le moment, je m'en contente, mais clairement, j'aurais pu avoir sur cet item-là des dégâts critiques à hauteur de 25%. Et puis la défense et l'attaque qui ne seraient pas montées, ça aurait été beaucoup mieux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est pour user 4000 de résine pour avoir un item un peu meilleur, pour le moment, c'est pas ma priorité. De toute façon, comme vous le savez, je vous mettrai l'update au fur et à mesure. Et la cutting, à chaque fois que je change mon stuff, je vous fais une vidéo démonstrative là-dessus. Au niveau de la destination du gladiateur, qui est donc la plume, on va avoir pas moins de 21% d'attaque. Donc ça, c'est excellent parce que ça va ajouter pas mal d'attaque. Et dans le stuff hybride, elle est très importante. Au niveau des PV, on va être à 5,8%. Au niveau dégâts critiques, 12%. Et on va avoir 12% de défense malheureusement. Mais la plume reste très bien pour l'utilisation que j'en fais. Au niveau de la nostalgie, ça va être juste incroyable. 13% de taux de critique, ce qui est vraiment énorme pour le coup. 7% de dégâts critiques, 10% de recharge et 7% de défense. La recharge, on n'en a pas forcément besoin sur Cutching. C'est toujours appréciable d'en avoir un peu. Donc là, ça va nous donner 10%. Et c'est les seuls 10% qu'on aura sur la panoplie. Tous les autres items ne donnent pas de recharge. Donc on prend clairement... La chose la plus importante, ça va être le taux de critique qui va être extrêmement haut. Et donc, la combinaison de tous ces items donne, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 205% de dégâts critiques et 73,5% de taux de crit. Ce qui est quand même pas mal du tout à ce niveau-là. Au niveau des constellations, je vais en avoir deux de libérés. C'est pour ça que j'ai le petit titre de Cutching Master pour délirer sur les lives et sur certaines vidéos. C'est parce que le perso, il m'aime trop. Voilà, il m'aime trop. Donc la première, elle sert beaucoup. Lorsque Cutting libère de nouveau Retour des Étoiles, donc sa compétence de base, lorsqu'une lame de foudre est active et inflige des dégâts électro de zone équivalent à 50% de son attaque, quand elle le lance et donc quand elle réapparaît. Donc ça, c'est assez ouf. Donc à chaque fois qu'on va lancer la compétence, sachant qu'il y a 7 secondes de cooldown, ça va rajouter 50% de l'attaque. C'est pour ça que je vous disais, l'attaque sur le build, elle est plutôt pas mal importante. Cette constellation a fait vraiment profiter pleinement le personnage du boost d'attaque qu'on va avoir. Avec les différents artefacts. Donc au niveau de la deuxième, par contre, ça va être pas fou du tout en fait hein. Les attaques normales et chargées de Cutching touchant un ennemi affecté par l'élément électro ont 50% de chance de générer une particule élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 secondes. Bon, les persos électro, la plupart du temps, ils souffrent pas trop de la recharge d'énergie. Avec Cutching, c'est clairement pas le perso où j'en souffrais le plus, surtout que j'ai Albedo dans la team. Mais pourquoi pas, écoutez, c'est plutôt c'est plutôt une constellation pour moi qui est un peu trop sur le personnage, mais on prend. Hein. Au niveau des aptitudes, ce qui va être quand même très important, on va avoir l'escrime qui va être level 10, le retour des étoiles, donc la compétence de base qui va être level 8, la promenade céleste, donc l'ultimate level 6. Malheureusement, pour la up, il me faut les anneaux de borée que je n'ai pas, j'arrive pas à les drop pour le moment. Au niveau de ses passifs, du coup, on va avoir le premier qui va faire que Cutching va obtenir pendant 5 secondes un enchantement électro lorsqu'elle va venir tout simplement activer sa compétence de base. Donc ça, c'est assez ouf, ça aide vraiment beaucoup et surtout, ça fait qu'on peut profiter pleinement du stuff électro avec Cutching. Au niveau du deuxième passif, ça va être le passif que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'ulti, on va gagner pas moins de 15% de taux de crit pendant 8 secondes quand on va le lâcher. Sachant qu'il revient très souvent, ça va être quand même assez ouf. On va être perma avec beaucoup de taux de crit. Et le dernier qui va donc réduire la durée des expéditions à l'IUE. Ça, ça ne nous intéresse pas tellement. Donc, vous avez vu les différentes statistiques de ma cutting. Vous avez vu l'épée qu'elle porte. Vous avez vu aussi les constellations et les aptitudes. Je pense qu'on peut passer maintenant au test. On se retrouve donc sur mon petit donjon préféré qui est très paisible et vraiment... magnifique pour le coup, elle est super beau ce donjon là. Alors pourquoi je le fais? Parce que tout simplement déjà depuis le début du jeu j'ai pris l'habitude de faire mes tests sur ce donjon. Comme ça vous avez vraiment une bonne échelle pour voir les dégâts. Donc comme vous le verrez sur les vidéos sur le bouton I que je vous mettrai sur le côté des différents tests que j'ai fait, à chaque fois je l'ai testé sur ce donjon. Donc vous pouvez avoir tout simplement exactement les mêmes valeurs au niveau des résistances etc. Donc je vais la tester juste après sur des autres adversaires, ne vous inquiétez pas. Mais ça va faire un premier jet. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un double géo dans la chip. Le double géo, il va donner 15% de dégâts supplémentaires à ce qu'on va être sous bouclier. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas l'utiliser. Je vais vous montrer les dégâts sans. Normalement, je suis perma sous bouclier, mais bon. C'est juste histoire de vous montrer quand même. Ça va être assez intéressant à ce niveau-là, même si la plupart du temps, je suis sous bouclier. Donc 4500 et je réactive, on va être sur du 2800 plus du 15000.
Donc c'est assez ouf ici, on a fait plus de 20 000 de dégâts, ce qui est vraiment assez bien. On va venir taper avec les dégâts de base, comme vous voyez, ça tourne à quand même des valeurs qui sont plutôt correctes, hein, entre 3000 et 5000. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, c'est clairement sans le bouclier. Donc maintenant, on va mettre le bouclier de Zhongli juste après. Vous allez voir la différence qui est assez conséquente au niveau des dégâts. Sachant qu'en plus de ça, le bouclier de Zhongli va réduire de 20% la résistance des adversaires. Donc que ce soit la physique ou les dégâts électro. Alors, on va venir mettre Zhongli. Hop là. On va d'abord commencer par donc la balise qui fait du 5700. Là, tout à l'heure, elle faisait du 4500. On réactive et hop. Là, on n'a pas critique, donc les valeurs sont pas ouf. Mais vous voyez qu'on fait des grosses valeurs. 5700, 5700, 4800. Vous voyez que les valeurs sont quand même assez énervées pour un perso avec une épée à une main. Sachant qu'elle met des coups qui sont quand même extrêmement rapides. Alors, hop. On va reprendre pour aller un peu plus haut. On va remettre le petit Zhongli. Hop là. Maintenant, je vais taper avec les dégâts de base, donc sans le boost électro. Donc 4300, 4300, 7700. Ils ont un peu moins de défense physique que les autres mobs. Mais bon, la plupart du temps, on joue aussi entre 3800 et 5000 de dégâts. C'est un peu ça la valeur avec ma cutting actuellement. Donc là, je vous ai montré les dégâts physiques. Je vous ai montré avec la balise combien je faisais, mais elle n'a pas critique tout à l'heure. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir ici combien on fait avec la balise en critique, sachant que le sort, comme vous allez voir, il a un temps tout simplement de recharge qui est extrêmement bas. Regardez, je la réactive, hop, on est là à 5 secondes. Pourquoi 5 secondes? Parce que il y a un truc qui est très intéressant sur Kuching, ça va être que la balise, le temps de recharge va s'effectuer à partir du moment où on va la poser. Donc je vous rappelle qu'il y a double activation sur la compétence de Kuching. On va voir la première qui va donc poser la balise et la deuxième qui va la réactiver. Donc si vous gérez bien vos balises, vous pouvez avoir 2 secondes en fait de temps de recharge en moins entre guillemets. Lorsque vous mettez la balise. Alors ça, c'est très intéressant quand vous voulez cut l'animation de votre attaque. Je vous ferai un petit guide avancé sur Kuching. Là, c'est surtout un showcase. Ne vous inquiétez pas, où je vous expliquerai tous les tips que j'ai pu relever au cours tout simplement de mon utilisation du personnage. Donc là, hop, on va remettre la balise, on va la réactiver. Et là, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes valeurs que tout à l'heure. Hein. On a fait du 22 000, même plus, je crois du 27 000 en tout. On va refaire, hop, 5700. Et là, ça n'a pas critique. Bon, là, j'ai pas de chance pour le coup. Là, j'ai pas de chance, ça critique très peu. Mais avec la balise, juste la petite balise là, on peut monter quand même jusqu'à entre 25 et 30 000 de dégâts, ce qui est quand même assez fou. Voilà, c'est assez énervé quand même. Les dégâts de Lucci, je vous les ai pas montrés parce que je voulais vous les montrer juste ici, tout simplement. Donc là, on va réactiver le bouclier de Zhongli, on va mettre Lucci mettre. Regardez les dégâts qu'il a fait, donc par coup, sachant qu'il y a de multiples coups, donc 2300, 2300, 2300, et le dernier affiche du 16 000. Donc là, on n'est pas loin des 27 000 de dégâts, je crois. Ce qui est quand même assez haut, là, 15% d'attaque en plus, 15% de taux de crit en plus, pardon. Donc là, comme vous voyez, on a fait du 22 000, enfin 27 000 si vous prenez tout en compte. On va mettre l'attaque chargée en double, du coup, comme vous voyez, 7 000 plus 7 000. J'ai pris des petits dégâts, on va remettre, hop, ici. On va remettre une attaque chargée, voilà, 9 000 plus 8 000. Là, on va réactiver la balise. Et on va refaire un coup chargé, mais cette fois enchanté de dégâts électro. Et là, on va faire du 10 000 plus du 3900. Donc le deuxième n'a pas critique, malheureusement. Mais vous voyez que les dégâts sont clairement au rendez-vous. C'est quand même pas mal du tout de juste en faisant ça, toutes les 7 secondes, pouvoir bénéficier de 25 000 de dégâts. Le perso, en plus, est super agile. Vous pouvez vraiment cut les animations à foison avec les différents spells. Que ça soit l'ultimate ou la balise qui permet de cut deux fois. C'est vraiment assez ouf. Je vais vous montrer un peu ce qu'il vaut. Quand on est en abysse, let's go. Donc on se retrouve pour les abysses. Vous savez que je suis pas fan des abysses, mais je sais que beaucoup d'entre vous se basent un peu sur ça. Même si je trouve que ça représente pas la majorité du contenu du jeu, on va quand même le faire. Donc ici, on va tout simplement prendre les points de 30% d'attaque lorsque les PV sont supérieurs à 50%. Allez, elle va faire des dégâts un peu boostés de toute manière dans les... Dans les abysses, on a souvent l'attaque boostée. Donc, on va venir apposer le bouclier de Zhongli. Alors, le truc dommage avec Kuching, c'est que elle va tout simplement avoir très peu d'endurance. Donc, en fait, on va devoir rush les ennemis. Et vu qu'on utilise beaucoup son coup qui est tout simplement chargé, on va avoir très peu d'endurance au bout d'un certain moment. Comme vous le voyez, hop. Bon, là, on va lâcher. Allez, le petit ulti de Bennett, j'ai envie de voir combien je fais. Hop, avec la petite cutting, comme vous voyez ici, 7000 et là on réactive, oh là là, le carnage. Là, du petit 30 000 avec juste la compétence de base qui fait plutôt plaisir. Donc on va réactiver ça, hop, le petit outil qui va tomber, on va venir casser. Ah bah ils ont esquivé au bon moment, hop là.
Comme vous voyez, les valeurs sont quand même pas mal du tout. Hein. On a des valeurs quand même avec un perso avec une épée en main qui sont plutôt correctes hein, pour le coup. Je les trouve même très bien pour le coup. Allez, un petit dernier pour la route. Donc là, on est à l'étage 10. On va prendre le 50% en moins d'endurance pour les attaques chargées. Donc là, je vous ai pas montré depuis tout à l'heure les combos. Pourquoi? Parce que pour moi, elle fait déjà pas mal de dégâts. J'espère que je vais pouvoir vous les montrer ici. Donc là, on va mettre Albedo. Et on va venir tout simplement lâcher l'ultimate. Donc, comme vous voyez, la cristallisation marche extrêmement bien. On fait vraiment des gros damage. Hein. Hop, on va venir infliger pas mal de dégâts avec elle. Et on a du coup la petite compétence qui revient très très vite. Comme vous voyez, l'ulti revient extrêmement vite aussi. La faute à Albedo aussi. Hein. Et des aux constellations de Kuching du coup que j'ai C2. Donc comme vous voyez, plutôt mobile le perso. Et vraiment un gameplay qui est plutôt jouissif. Hein. On va pas se mentir. Franchement, jouer Kuching, je pense que c'est un des meilleurs gameplays qu'on peut avoir. Parce que le perso est léger, rapide. On peut vraiment faire plein de choses avec. Et c'est assez énervé à ce niveau-là. Hop, on va venir mettre la petite météorite de Madara. On va venir poser, hop, son petit sort. Petit ulti pour augmenter, du coup, et que je vous montre un peu au niveau du taux de crit. Ah, je peux pas te le montrer parce que je suis en abyss, clairement. Je suis à 97%, donc là, c'est du full crit. Et comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal du tout au niveau des dégâts. Donc hop, le perso en fait, vraiment, la balise sert beaucoup dans le sens où, comme vous le voyez, peu importe où on est sur la map, elle permet de reach un adversaire très rapidement. Hop, voilà, ça va être super rapide, ça va infliger pas mal de dégâts et tout ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour le petit showcase de ma Kuching, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous prépare du lourd pour Kuching, des tutos, pas mal de trucs qui sortent parce que le perso sort bientôt. Et je voudrais vous donner un peu toutes les armes qu'il faut pour bien accueillir ce personnage-là si vous le voulez. Clairement, ce n'est pas un mauvais perso. Dans les tier list Reddit, etc., il n'est pas bien classé. Mais vous pouvez faire vraiment des trucs énervés avec et je vous garantis que sur le jeu, vous allez kiffer. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée ou journée. Beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao, à la prochaine.